Salut à tous, alors c'est parti pour une petite vidéo spéciale forum Flamenco Rumba. Je ne vais pas parler du bilan de l'année 2017 qu'on vient de passer, mais des 10 dernières années, le forum Flamenco Rumba a soufflé ses 10 bougies en 2017. Alors quelquefois on me demande, Francky, comment tu as créé ce forum? Est-ce que tu peux m'expliquer? Alors je vais vous l'expliquer juste en 3 minutes. Voilà, 2006, l'année 2006, mon premier ordinateur, ma première connexion internet. J'y connais rien en ordinateur, j'y connais rien en internet. Et pourtant, quelques mois après, je crée cette plateforme flamencorumba.com. En fait, ça a été très simple. Je suis allé d'abord me promener sur internet et je découvre un site qui s'appelle YouTube. YouTube, ça faisait seulement un an qu'ils existaient. YouTube était tellement jeune que lorsqu'on tapait dans leur moteur de recherche flamenco, on trouvait rien. Il n'y avait rien sur le flamenco. Parce que c'était le début de YouTube. Il n'y avait pas encore toute cette effervescence, on va dire. Voilà, j'avais commencé à mettre une première vidéo avec des explications sur la guitare. Je me suis dit, ça serait pas mal. Peut-être qu'on va pouvoir discuter avec quelques personnes qui sont loin, là-bas à l'autre bout de la France, et moi dans mon petit village tranquille. C'était complètement nouveau. Internet, YouTube, vidéo. Bon, mais c'est intéressant, le concept est intéressant. Pourquoi pas mettre des vidéos soi-même sur ce site et essayer de rencontrer des gens qui sont aussi passionnés. J'avais déjà repéré sur Internet qu'on pouvait discuter de divers sujets à travers ce qu'on appelle des forums. Et là, je me suis dit, mais comment ça marche un forum? Comment créer un forum? Ce serait pas mal de le faire. J'y ai passé des nuits entières à rien comprendre. Rien comprendre à la connexion Internet, rien comprendre au déroulement, au développement, on va dire, d'une plateforme de discussion. Et au de fil en aiguille, petit à petit, j'ai commencé à créer flamencorumba.com et à poster les premières vidéos. Et là, à ma grande surprise, des personnes se sont intéressées, mais beaucoup de personnes francophones du Canada, du Maroc, d'Algérie, de Belgique, de France, de plusieurs régions, de toutes les régions même de France. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés, des milliers de personnes sur flamencorumba.com. Alors il faut dire que les premières discussions à travers YouTube, à travers Dailymotion, à travers le forum Flamenco Rumba, c'était complètement magique. Aujourd'hui c'est complètement banal et des vidéos de guitare, il y en a de partout, même des cours de guitare et du flamenco, on trouve de tout maintenant sur YouTube, sur Internet. Mais avant, c'était beaucoup plus rare. Donc il y avait ce côté magique de commencer à discuter avec des gens, de commencer à créer une communauté, on va dire, une communauté de passionnés. Ça, c'était énorme. Et oui, je vous rappelle que le forum a été créé en 2007. Et ça ne nous rajeunit pas. Alors, 10 ans du forum, c'est vrai que 10 ans, c'est pas énorme par rapport à tout ce que j'ai vécu déjà avec la guitare. Ça fait déjà plus de 35 ans que je joue de la guitare. Donc, le forum, ça a été un plus, quoi, qui est arrivé. Il y avait ce côté de pouvoir dialoguer avec d'autres personnes, de rencontrer d'autres personnes. Alors, à travers ce forum, il y a eu plein de discussions vraiment intéressantes, des vidéos intéressantes. Et bien sûr, à un moment donné, sont arrivés les trolls. Ça, c'est inévitable. Dans le monde d'Internet, dans tous les forums, que ce soit de musique ou d'autres sujets, il y a toujours des trolls, c'est-à-dire ceux qui arrivent et qui veulent un petit peu semer la zizanie, foutre un petit peu le bazar, essayer de créer des polémiques, des gens qui n'ont rien d'autre à faire en fait, des jaloux, des gens qui auraient aimé créer ce forum eux-mêmes et qui n'ont pas réussi. Et alors du coup, ils sont venus, ils ont essayé de nous déstabiliser, en vain bien sûr, puisque le forum est resté quand même toujours une famille bien solidaire et pas dupe. Ce qui a été important, ça a été de garder cette flamme de la passion de la guitare. Il est donc important de souligner que le forum, ce n'est pas une machine sur Internet, ce n'est pas que du virtuel, c'est vraiment des gens qui se rencontrent, qui partagent une passion, c'est une communauté, c'est comme on a déjà dit, une famille. Alors il y a eu ce concept de rencontre qui s'est développé à travers plusieurs départements. Chaque personne après a commencé à créer ses rencontres, à créer son réseau de musiciens. Et ça a été vraiment fabuleux. C'était des moments aussi intensifs. Et aussi, ce qui me fait plaisir par rapport aux rencontres, c'est encore aujourd'hui, quand je fais des animations, quand je fais des spectacles, il y a des personnes qui viennent me voir et qui me disent « Tu me connais pas, mais je te connais à travers Internet, à travers le forum. Je suis membre du forum ou alors abonné à la chaîne YouTube. » Et ça, c'est quelque chose qui fait vraiment plaisir régulièrement de rencontrer des nouvelles personnes avec qui on n'aurait jamais discuté s'il n'y avait pas ce côté Internet, ce côté partage. Sur le plan émotionnel, le forum Flamenco Rumba a fait pas mal de choses aussi. Il y en a qui se sont rencontrés, qui se sont mis en couple. Il y en a qui se sont peut-être aussi déchirés. Et puis, il y a aussi de la tristesse. On a toujours une pensée pour les personnes qui ont fait partie de ce forum, avec qui on a partagé des moments
et puis qui sont partis au ciel. Le Forum Flamenco Rumba m'a apporté pas mal de choses. J'ai rencontré des organisateurs, j'ai rencontré des lieux de spectacle et je rencontre encore des personnes qui me confient leur mariage, leur vin d'honneur ou le vin d'honneur de leurs enfants ou leur anniversaire, leur événement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait beaucoup plaisir, la confiance qu'ils me portent pour pouvoir animer leur événement. Ça, c'est vraiment énorme de se retrouver dans une soirée privée, on va dire, en train d'animer chez des personnes qu'on ne connaît pas, mais qui me connaissent quand même à travers YouTube ou le forum flamencorumba.com. À travers cette vidéo, je voudrais saluer tous les membres du forum flamencorumba.com, les anciens comme les nouveaux, ceux qui sont venus, ceux qui sont partis, ceux qui ont pris plus que ce qu'ils ont donné. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont partis sur Facebook. Voilà, Facebook, c'est vrai que c'est l'endroit maintenant où on partage la musique, où on partage les discussions. Je voudrais aussi faire un spécial big up à tous ceux qui aident les personnes à travers le forum Flamenco Rumba. Toutes les personnes qui n'oublient pas, qui eux-mêmes ont un jour été débutants et du coup font des vidéos, partagent leur savoir à travers ce site internet. Et à ce propos, je ne vous remercierai jamais assez. C'est vraiment un spécial big up parce que le forum existe grâce à vous. Imaginons, je suis tout seul avec un forum, c'est plus un forum, ça devient un site web avec des conférences. Là, il y a vraiment un partage, un réseau de partage, une famille, une communauté qui s'est créée. Et ça, ça fait quand même chaud au cœur. Sur le plan de l'organisation, le forum Flamenco Rumba m'a apporté beaucoup de choses aussi, car ça m'a permis d'organiser des concerts avec des artistes de qualité, d'organiser des scènes ouvertes, d'organiser stages de guitare, stages de danse, tombola de guitare, buvette, traiteur, repas, salle des fêtes, location. Je crois que chaque musicien devrait un jour dans sa vie créer une association et lui-même organiser un événement au moins une fois dans sa vie pour voir l'envers du décor, toutes les difficultés que cela apporte à travers la SACEM, à travers tout un tas de choses, de déclarations, d'autorisations. C'est vraiment aussi intéressant d'être des deux côtés, à la fois d'être animateur de soirée, on va dire, faire des spectacles, et à la fois organiser des spectacles. Deux choses différentes, mais qui sont vraiment à vivre au moins une fois dans sa vie. Et bien voilà, c'était les 10 ans du Forum Flamenco Rumba cette année. L'aventure continue grâce à vous. Et pour vous, donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux tutos de guitare et surtout, viva la musica, allez.